bien, salut tout le monde. On se retrouve pour le motovlog numéro 1. Voilà. Parce qu'il faut, il faut bien un commencement quelque part, hein, n'est-ce pas? Motovlog numéro 1 où qui servira un petit peu, excusez-moi, qui servira un petit peu de présentation de chaîne, en quelque sorte. Donc je vais vous expliquer à peu près ce qui pourrait apparaître sur la chaîne, et mes projets actuels et tout ça quoi. Enfin, histoire que vous puissiez voir où j'en suis. Donc voilà, pour pas mes mots super génial. Qu'est-ce qu'il y aura sur ma chaîne pour commencer? Vous aurez le droit donc à des vidéos de type motovlog, comme celle-ci, où je parlerai de choses dont j'ai envie de parler, hein, ça peut être n'importe quoi, vraiment en mode raconte ta vie ailleurs quoi. Vraiment en mode beaucoup de gens risquent de s'en battre les voilà, les cool. Également, il y aura un concept, donc je vais pas dire que j'ai inventé, parce qu'il y a peut-être déjà quelque part, enfin voilà, c'est un concept qui se rapproche énormément hein, du Daily Observation, vu à moto, sauf que moi ça s'appellera du coup le Best of Vlog, donc B-O-V, hein, Bob. D'où le nom, ça sera pas juste des observations, mais ça sera avant tout un best-of de toutes les séquences que j'ai pu filmer. Donc les séquences que vous verrez du coup dans les BOV seront des séquences qui pourraient très bien apparaître dans un motovlog qui serait publié plus tard. Donc, par exemple, pendant mes vacances, vous voyez, j'ai été au bord de la mer, j'en ai fait un petit vlog, tout ça. Et c'est fort probable que dans un best of vlog qui soit publié, on va dire la semaine prochaine, il y ait des moments de cette fameuse balade au bord de la mer, mais que vous revoyez la séquence dans le motovlog, donc en gros la séquence vraiment entière, dans le motovlog la semaine encore d'après par exemple. Dans les Daily Observation du coup, pardon, j'ai dit que j'allais dire vue à moto, je m'obstine en plus, bravo. Dans les vues à moto, à moins que je me trompe, les séquences qu'on voit, c'est on va dire des séquences entre guillemets faites exprès. Enfin, elles sont là dans la vidéo vue à moto et elles apparaissent nulle part ailleurs, quoi. C'est vraiment pour vue à moto. Enfin, moi, ça sera vraiment un best-of pour... best-of, quoi, tout simplement. Vraiment le nom best-of, bêtisier, tout ce que vous voulez. Donc voilà. Il y aura également, mais dans plus longtemps, dans bien plus longtemps, parce que ça va mettre beaucoup plus de temps à s'installer, il y aura des caméras embarquées sur piste. Parce que avec mes potes, on reprend une assoce de moto qui fait... Putain, j'arrête pas de dire ouais, désolé. C'est la première fois, voilà, c'est ma première fois, c'est mon dépucelage, faut me pardonner. Donc je disais, avec mes potes, on reprend une association de qui fait de la piste en moto, tout simplement. C'était... Mon père était dans cette assoce, donc ils ont eu quelques soucis personnels qui font qu'ils ont arrêté, et nous on a décidé de reprendre sous le même nom parce que bah, donc déjà de un on avait la flemme d'en chercher un autre, on n'en trouvait aucun de pire, et en plus parce que du coup certains anciens de ce team qui étaient encore motivés pour continuer et tout quoi, qui étaient on va dire déçus de devoir s'arrêter, accepte de oh putain, j'en ai marre. Oh les cons, putain. Ouais, ça, pensez qu'il y a votre gueule. Donc oui, qui voulait encore continuer l'aventure, on va dire. Et bah le fait qu'on reste sous le nom Probactim, ça les motive
et ils acceptent de rester avec nous pour nous aider. Pour nous aider, nous conseiller, et puis s'éclater avec nous, quoi. Donc il y aura des vidéos de caméras embarquées sur piste avec la sauce, donc vous verrez plein de trucs, hein. Il y aura certainement aussi des petites vidéos vlog de ce qui se passe dans la sauce. Il y aura également du coup des balades, et attention, des balades, que ce soit des petites balades tranquille ou pépère avec mes potes ou des rassemblements, sauf que évidemment, hein, rassurez-vous, évidemment je mettrai pas les balades entières parce que bon bah voilà, hein, je vais pas vous laisser avec 45 minutes, une heure de vidéo, allez basta, regardez-moi ça, débrouillez-vous, mettez-vous dans le canapé, prenez une bière et démerdez-vous. Non, bah non. Je vais faire vraiment un condensé de la balade, des meilleurs moments en quelque sorte, pour que ça soit agréable à regarder. Je pense que on m'entendra pas parler. Ou à quelques moments, vraiment quand j'ai des trucs intéressants à dire, donc pas souvent. Donc on m'entendra presque pas parler, je vous mettrai un petit fond de musique, enfin je verrai comment j'organiserai tout ça, vous voyez bien. Donc voilà, donc pour le motovlog, des best of vlog, des balades et des caméras embarquées sur piste. Donc ça fait 4 concepts, on va dire. 3 pour commencer vraiment, parce que sur piste ça vraiment prendre du temps. Il faut le temps de se lancer et tout quand même, acheter les motos, les bécanes de piste et tout ça. Une petite précision avant que j'oublie, c'est vraiment une petite précision qui rajoute une touche, moi j'aime bien, hein, une petite touche d'humour pas drôle, voilà. Dans chaque, attention, hein, dans chaque vidéo, j'ai promis à un pote, qu'il y aura ce cri. Alors pourquoi, hein, pourquoi me direz-vous, pourquoi tu mets un cri de pucelle comme ça dans chaque vidéo? Pourquoi? Et ben c'est simple. Pour ceux qui suivaient ma page Facebook depuis le tout début, vraiment le tout début, et qui ont vu ma petite vidéo changement de programme, et ben vous verrez qu'avant j'étais axé sur le gaming, notamment sur la Ligue des Légendes. Et il y a une vidéo que j'avais fait, que j'avais donc fait avec les potes avec qui je jouais sur le jeu. Il y a une vidéo où dans une de nos parties, au micro, mon pote avait lâché un cri comme ça lorsqu'un ennemi lui sautait dessus. Et quand je lui ai dit que j'arrêtais le gaming pour me mettre au motovlog, il m'a fait un petit « Oh non, non, putain, non, machin, machin. » Et du coup, je lui ai dit « Promis, puisque tu ne pourras plus faire de cri de jouvencelle, promis, dans chacune de mes vidéos, salut copain, dans chacune de mes vidéos, je balancerai ton cri. Promis. » Ah, je suis promis, clairement, moi je suis cash, comme ça, ben, ben. Donc voilà pourquoi. Toi t'es complètement débile. Voilà. Voilà pourquoi dans chacune de mes vidéos, il y aura ce petit cri émouvant que vous voulez certainement entendre, hein, je vous le mets là. Voilà, j'ai mon petit doigt. Également un point important, parce que je compte bien être assez transparent avec vous. Je vais parler de projet, donc je parle de projet vraiment, hein, je vais pas vous cacher des trucs. Certaines vidéos, voire un grand nombre de vidéos, seront monétisées. L'argent, si j'arrive à en récolter, ne sera pas pour ma gueule. Je mettrai ça dans la caisse de l'association pour les copains. Je mettrai ça dans la caisse de l'association pour que nous, ça nous aide à avancer pour l'achat d'outils, de produits d'entretien, enfin vous voyez, tous ces trucs là. Bah tous ces trucs là, si la chaîne fonctionne bien et que j'arrive à y récolter de l'argent grâce à ça,
L'argent récolté servira à ça. Hein. Vraiment, ce ne sera pas pour ma gueule. C'est pas, je ne fais pas des vidéos pour avoir de l'argent personnellement. Hein. J'ai un boulot et je compte pas l'arrêter dû aux vidéos sur YouTube. Je fais ça, les vidéos, je fais ça par plaisir, par passion. Hein. Voilà, que ça soit clair. Donc, une grande partie de mes vidéos seront probablement monétisées, si j'ai pas de soucis avec les droits d'auteur et tout, mais normalement ça non. Donc voilà. Donc j'espère que vous comprenez bien. Je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas qu'on parle d'argent dès le début. Certaines personnes devraient même me dire « Ouais, tu devrais pas dire ça, machin, machin, machin. » Mais je suis d'accord avec vous, mais oui et non. Tout simplement parce que pour moi, être transparent, c'est important. Si vous n'avez pas envie que je gagne de l'argent grâce aux vidéos pour que je puisse aider mon assos, bah vous téléchargez Adblock. Voilà, vous pourrez continuer de regarder mes vidéos sans que je gagne de l'argent. Donc comme ça, vous serez tranquille. Mais pour moi, c'est important d'être transparent, parce que dans tous les cas, vous le verrez que je monétise mes vidéos dues aux pubs. Donc dans tous les cas, il n'y a pas moyen de vous le cacher. Donc autant être transparent plutôt que d'essayer de vous le cacher. Oh, j'ai un truc dans l'œil. Oh, j'ai un truc dans l'œil. C'est important pour moi que vous le sachiez. Vous savez au moins pourquoi je monétise mes vidéos. Vous savez que c'est pas pour ma gueule. Vous savez tout. Voilà, vous savez tout. C'est, comme j'ai dit, c'est important pour moi. Au moins, il n'y a pas de secret entre nous. Hein, voilà. Et donc, c'est tout pour ce motovlog numéro 1. Donc j'ai résumé à peu près tout ce qu'il y aura sur ma chaîne. Donc sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, toujours plus de folie. Ça sera pas un motovlog. Hein. Excusez-moi si cette vidéo a pu paraître ennuyante, mais je suis le genre de gars qui préfère tout présenter, tout préciser avant de me lancer dans une aventure quelconque. Donc je vous dis à la prochaine, ride safe, et puis... abonnez-vous. Cette vidéo est à présent terminée.